Ok. Allez, c'est parti pour Pokémon Jaune. Le but, c'est de réussir la première arène en utilisant uniquement Pikachu. Donc, on va refaire un. Hop. On va se mettre au start game. Et on va lancer le timer en même temps. C'est parti. Alors, nouvelle partie. Bien le bonjour, bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Mon nom est Shen, les gens souvent m'appellent le professeur Pokémon. Ce monde est peuplé de créatures du nom de Pokémon. Pour certains, les Pokémon sont des animaux domestiques, pour d'autres, ils sont un moyen de combattre. Pour ma part, l'étude des Pokémon est ma profession. Tout d'abord, quel est ton nom? Ah. Yellow Sacha Paul. On va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler, je ne sais pas. On va l'appeler Tifa. Voilà, parce qu'on est original, comme d'hab. Ton nom est donc Tifa? Mais oui. Voici mon petit-fils. Il est ton rival depuis sa toute jeunesse. C'est quoi son nom déjà? Oh, il se rappelle même pas du nom de son. De son petit-fils. Eh bien, son nom, ça va être. Truc. Voilà, on va l'appeler Truc. Parce que il se rappelle pas de son nom. Ah oui, je me souviens, son nom est Truc. Tifa, ta quête des Pokémon est sur le point de commencer. Un tout nouveau monde de rêves, d'aventures et de Pokémon t'attend. Dingue. T'as dit dingue à la fin. Je me rappelle pas de ça. Alors, que je me rappelle des touches, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ça. Oh, je joue à la Super Nintendo. Bon, allez, on se casse. Et salut KTH. Eh oui, moi c'est Michel. Ah oui, c'est ici qu'on peut. Oh, retire-objet. Et une potion. Retrait de potion. Que voulez-vous retirer? Ben, plus rien, parce que. Hop. Eh oui. Bon, il arrive qu'un jour le fils aimé quitte la maison. C'est la vie. Le prof Shen te cherche. Il est dans la maison voisine. Ah, ça va, elle cherche pas trop à nous retenir quand même. Hein. Oh, un dessin animé, un petit garçon avec une queue de singe. Je me demande ce que c'est. Je me demande ce qu'il regarde. Allez. Hop. Allons. Ah non, c'est pas ici? C'est où déjà? C'est ici. Ah. Et Pépé n'est pas là. Je suis venu parce qu'il va me filer un Pokémon. Ok. Ah oui, non, c'est vrai, il faut se barrer de la ville. Faut se barrer. Parce qu'on est des rebelles, on part sans Pokémon. Attention, go! Hey, toi là! Ne barre pas! Ah, il m'a sauvé la vie, je crois. De justesse! Des Pokémon sauvages vivent dans les hautes herbes. Dans les hautes herbes! Attention, il n'y a pas de liaison. Il regarde le club Dorothée, c'est ça. Un Pikachu sauvage apparaît. Niveau 5. Ah, mais lui, il balance direct la Pokéball, même pas il affaiblit. Et ça passe! Oh, top cool! Pikachu est capturé. C'est top cool.
Ouf! Des Pokémon sauvages peuvent surgir à tout instant. Tu as besoin d'un Pokémon pour te protéger. Allez, suis-moi, viens par là. Mais t'en avais pas, t'avais juste une Pokéball et apparemment ça suffit. Ah, il est loin de la forêt, mais je sais pas, il a dû se perdre celui-là. Pépé, j'en ai marre d'attendre. Et quoi, truc? Pourquoi es-tu déjà là? Je t'avais dit de venir plus tard. Enfin, pas grave. Regarde Tifa, vois-tu cette balle sur la table? On appelle ça une Pokéball. Elle contient un joli Pokémon. Tu peux la voir, vas-y, prends-la. Oh, trop cool. Mais Pépé, mon Pépé, et moi? Patience, truc. Tu en auras un tout à l'heure. Oh, trop cool. Il est à moi. Il est à moi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non! Mais de quoi Tifa? Je veux ce Pokémon. Voilà, Truc nous a piqué notre Pokémon. Mais Truc, que fais-tu? Je veux celui-là. Mais enfin. Bon, ok. Voilà, ça va, il. Il laisse un petit peu son petit-fils faire ce qu'il veut quand même. Hein. J'allais t'en donner un tôt ou tard. Tifa, viens par là. Tifa, voici un Pokémon capturé un peu plus tôt. Il est pour toi, parce que l'autre t'a volé le tien, mais il est encore un peu sauvage. Oh, Tifa reçoit un Pikachu. Voulez-vous donner un surnom à Pikachu? Allez, allez. Et vu qu'il m'a aidé la dernière fois et que j'ai oublié de le mettre sur Sword of Mana, on va l'appeler Jante. Coop. Et en plus, ça rentre pile poil. Allez, gens de coop. Et maintenant, on se casse. Allez, salut. Et minute papillon. Voyons lequel de nos Pokémon est le plus fort. Allez, viens te battre, minable. Ah, je. Il cherche vraiment la bagarre. Hein. Il veut se faire tirer les oreilles. Hein. Alors, je sais plus si celle-là, on peut la gagner ou pas. Je crois qu'on peut la gagner, mais je suis pas sûr. Et voilà, il nous a piqué Evoli. C'est dégueulasse. À l'attaque, gens de coop! J'espère que c'est pas un imposteur celui-là. Alors, je me rappelle plus. Non, ok, ça c'est pour changer l'ordre des trucs. Ça c'est pour changer de Pokémon au cas où. Ça c'est les objets. Rugissement, ça fait quoi déjà? Je ne sais même plus ce que ça fait. Je ne sais plus. Dans le doute, on va taper. Coup critique! C'est très efficace! Oh, Evoli lance charge. Ah oui, ça fait mal. On va faire rugissement du coup. Jante coop lance rugissement. Evoli. Ah, ça lui enlève de la force. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien, mais on va lui renlever de la force. On a une potion. Après, on s'en fout de perdre, hein. Ça change rien au jeu de perdre. Hein. On refait rugissement parce qu'il m'a enlevé 3 points de vie, donc à moins d'un coup critique, il devrait pas me tuer. Mimique. Ah ouais, non, mais s'il change d'attaque, par contre. Jean de coop perd de la défense. Ah ouais, mais non! Jean-Michel, fais pas ça! Et regarde. Tu perds de la force. Ce combat est interminable. Non! Perds ta force, je t'ai dit! Ouais, il devrait plus taper très fort, là. Ok, coup critique! Eh ben, on s'en fout. On s'en fout, parce que le but, c'était pas de gagner. Ouais, je suis trop fort. Ok, je vais entraîner mon Pokémon. Et Tifa Pépé, à plus tard. Ah, il m'a piégé avec son Mimikeu. Quoi? Ah bah alors, c'est pas commun ça. On dirait que ton petit Pikachu n'aime pas les Pokéballs. Tu devrais peut-être le garder avec toi. Non mais je lui. Au moins comme ça, il sera content. Tu peux lui parler et voir s'il commence à t'aimer. Est-ce qu'il m'aime?
Alors, vu comment il me fait une tête de mort et qu'il me tourne le dos, je crois qu'il veut me tuer. Super. Y a pas les trucs cachés. Oh, il y a un email. Avis à tous les dresseurs de Pokémon. Le conseil des quatre est prêt à punir tout concurrent. Présentez vos meilleurs Pokémon et découvrez votre niveau en tant que dresseur. C'est au plateau Indigo. PS, professeur Shen, votre visite est attendue. Voilà. Bon, ben c'est parti, allons-y. Ah, ça commence bien, oui. Est-ce que tu m'aimes? Non. Et il tire la gueule. Et maintenant, est-ce que tu m'aimes? Non, il m'aime toujours pas. Alors, c'est parti. Donc l'objectif, c'est d'aller dans la ville suivante, de faire un peu d'XP. On va essayer de monter Pikachu un peu. Oh, on va tuer des Roucoules. Un Roucoule sauvage apparaît. En avant, champ de coop! Éclair. Normalement, ça fait des gros dégâts. Hein. Ah, parfait. C'est très efficace. Bon, si je les one-shot tous, ça va être tranquille. Hein. Salut, je travaille à la boutique Pokémon. Nous avons plein d'articles. Viens nous voir à l'occasion. Jadiel, c'est pareil. Prends que ceci comme échantillon. Oh, une potion, trop cool. Et salut, Jante. Eh oui, c'est Jante Coop. Par contre, Jante Coop, tu me fais un peu la gueule. Hein. Je sais pas ce que je t'ai fait, mais... Pardon. Je le ferai plus. Un recoule sauvage apparaît. À l'attaque, Jante Coop! Attaque éclair! Ah! C'est très efficace. 15 points d'expérience. Alors, start. Déjà, on va sauvegarder. On va quand même pas perdre ces 10 minutes intenses. Tring! Putain, je me rappelais pas que c'était aussi long pour sauvegarder. Donc c'est Pokémon. Stat. Pikachu. C'est pas marqué combien il lui reste. Si. Donc le prochain niveau est dans 53 d'XP. Ok. Et salut Guildart. Guildart. J'espère que je le prononce bien. T'as one-shot un Roucoule. Eh oui. Ah mais t'es pas le meilleur pour rien. Hein. Tu vois ces rebords le long de la route? Tu peux sauter par-dessus. C'est dingue, non? Tu peux revenir plus vite à Bourg-Palette de cette manière? Ah mais c'est... C'est complètement ouf. Complètement ouf. Et yo Little My! Alors, que je me rappelle. Tu donnes pas quelque chose, toi? Tu peux utiliser le PC, c'est le desk qui me l'a dit, elle est cool. Oh, trop cool. C'est RP ce défi. Ah bah attends. C'est important de rester RP. Tant qu'on n'a pas trop d'herpès, c'est bon. Et tu viens de Bourg-Palette? Tu connais le prof Shen? Sa commande vient d'arriver. Peux-tu la lui apporter? Tifa obtient le colis de Shen. Oh, trop cool. Cool, tu diras bonjour au professeur Shen de ma part. Allez, allons lui donner son colis. De mémoire, c'est des potions. Et après, il va nous les donner. Je me dis que c'est pas plus mal d'avoir des potions pour le combat de l'arène. Dans l'anime, il bat Onix avec une attaque éclair, quand même. Ah bah attends. On n'est pas des rigolos, Jante Coop et moi. Tifa! Comment va ton Pokémon? Je crois qu'il t'aime bien. Tu m'as l'air doué pour entraîner les Pokémon. Comment? Tu as quelque chose à me donner? Et voilà. Ton petit cadeau. C'est les Pokéballs? Ah merde, je croyais que c'était des potions. Ah, c'est la Pokéball que j'ai commandée. Merci. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué au jeu en même temps. En fait, il faut que tu me rendes service. Eh pépé! Pépé, mon Pokémon, est devenu trop balèze. Regarde ça.
Ah, truc, tu tombes bien. Je voulais vous demander à tous les deux de me rendre un petit service. Il y a sur ce bureau mon invention, le Pokédex. Il enregistre les informations sur les Pokémon rencontrés ou capturés. Ah, c'est comme ça qu'on a le Pokédex. Je croyais qu'il le donnait au début. C'est comme une encyclopédie. Tifa et Truc, prenez ces Pokédex. J'ai un Pokédex. Faire un guide complet sur les Pokémon du monde entier, c'est mon rêve. Mais je suis trop vieux maintenant. C'est pourquoi je veux que vous terminiez mon travail. Allez, roulez jeunesse! Que la grande quête des Pokémon commence. Ok Pépé, donnez-moi tous. Tifa, c'est clair, j'ai pas besoin de toi. Minable. Je sais, je vais voler une carte à ma sœur. Et je lui dirai de pas t'en donner une. Ah, mais quel rebelle. Le pire gamin au monde. Mais il mérite tellement des tartes, lui, quand même. Du coup, est-ce que sa sœur, elle est un peu triste ou pas? Tu dois faire une course pour Pépé? Prends ceci, ça peut servir. Ah, j'obtiens une carte. Merci. Ah ben, je crois qu'il est obligé de lui demander de pas en donner. En vrai, remplir le Pokédex en génération 1, c'était pas possible sans tricher à cause de Mew. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais réussi à avoir les 151 justement. Et puis un jour, il y a une de mes sœurs qui a voulu essayer le jeu. Elle a fait une nouvelle partie, elle a sauvegardé. Et puis au revoir. Au revoir à la sauvegarde. J'étais dégoûté. Voilà, recul ennemi et KO. On gagne de l'expérience, trop bien! Bim, Roucoule! Ah, il fait plus son malin. Ça nous est tous arrivé. Salut, je peux t'aider? Prends ton temps. Oula, non. Donc, idéalement, il faudrait que j'achète des potions pour le combat. Alors, je vais pas les acheter maintenant. Je sais pas si... Non. Je sais pas si à la prochaine ville, il y a un autre shop aussi ou pas. Je me rappelle pas. Donne-moi des adversaires un peu forts. Ah ben on va aller voir des adversaires forts. Ah! J'ai pris mon petit Kawa et je me sens mieux. Tu peux passer si tu veux. Je suis désolé, je n'ai pas été sympa avec toi. Je vois que tu as un Pokédex. Je vais te montrer comment capturer un Pokémon pour me faire pardonner. Mais tu m'as rien fait, hein. Tu m'as rien fait, hein. Tu peux me laisser tranquille. Un ratata. En fait, tu fais exactement la même chose que le professeur Chen au début du jeu, quoi. Ah non, juste toi, tu te rates par contre. Ah, j'ai raté, je me fais vieux, très vieux. Et j'ai plus de Pokéball. Je vais en acheter à la boutique. Allez, salut. Mais oui, il faut que je bute, mais je crois pas être assez fort encore. Il me manque encore un peu d'expérience. Parce que si j'y vais, je vais me faire allumer, je pense. Vu comment j'ai perdu la première manche. Ah, un Ferrero singe. Trop cool. Voilà, un combat plus dur qu'un Roucoule. J'espère que tu es fier de moi, Jante. Tu prends des coups dans la tronche. J'espère que tu aimes ça. Et paf! Jante Coop monte au niveau 6. Mais oui, c'est clair. Jante Coop apprend Mimikeu. Ah, ben voilà. Par contre, je me rappelle pas des capacités, à quel moment, à quel niveau on les récupère, à quel moment on les... Enfin, qu'est-ce qu'on récupère à quel moment non plus? Ça fait tellement longtemps. Bon, on va farmer un petit peu, vite fait. Histoire de gagner 2-3 niveaux, vite fait. Ça va être du farming un peu chiant, mais bon. Trop faible pour moi. Ah bah.
un Nidoran femelle niveau 4. Une Nidoran, un Nidoran, je sais pas trop. Ferrero singe évolue en colosso rocher. Trop cool. Ah là là, il rate ses attaques. C'est le moment de l'achever. Eh oui. 33 points d'expérience. Trop bien. Et là, il y a un Mewtwo sauvage qui apparaît. Et on est deg. Bon, là, c'est du spam A. Jusqu'à ce qu'on ait plus de points d'attaque. Shortcut qui évolue en KTHCOP. D'ailleurs, je crois que dans cette version, il refuse d'évoluer Pikachu. Il me semble qu'il en veut pas. Si je dis pas de conneries. Justement pour rester fidèle à l'animé. Il en fait vraiment casser tête ce Pokémon. Hein. Alors que c'est nous qui décidons quand même, hein, à la base. C'est nous le maître. Ouais, il voudra pas, ouais, c'est bien ça. Je me disais bien. Alors, combien il me faut encore d'XP? Il m'en faut plus beaucoup, je pense. Ah, Nidoran mâle maintenant. Niveau 2, donc ça devrait pas être trop dur. Ah, moi, on m'a appris Pokémon, c'est. Il faut aimer. Il faut aimer tous les Pokémon. Bah dans le jeu, il faut tous les défoncer et tous les capturer, voilà, c'est comme ça qu'on les aime. On les tape tous et après on les prend tous de notre poche. Bah moi je dis Nidoran. Après, peut-être que c'est pas comme ça qu'on le dit, mais moi je dis Nidoran. Ah, Katashi, il disait. Il disait. Ça veut dire que maintenant il dit autre chose. Jean de coop monte au niveau 7. Non, c'est pas le Pokédex, c'est le Pokémon. Tac, stat. Donc, prochain niveau, c'est 158. 158. Allez, on fait un dernier niveau et après on va aller taper le l'autre machin. Je dis Tignon. Tainion. Il y en a qui disent Tainion. Bah peut-être, hein, je sais pas. Moi je dis Tignon. Ah, lui il a l'air énervé, lui. Lui il veut se battre. Il veut se battre, ce Ferrero singe. Et coup critique. Eh oui. Oh, une griffe, non. Voilà, ça devient serré là. Il est séquestré dans une bolle, exactement. C'est tout ce qu'on demande au Pokémon. Je vais aller soigner Jean de coop. Ce serait con qu'il meure. Enfin, qu'il meure, qu'il soit KO. Je sais plus ce qui se passe quand on perd tout. Je crois qu'on perd une partie de son argent. On perd argent et c'est tout. Tiens, mets-le sur la machine. Ah, et là, par contre, il rentre dans la Pokéball. Hein. Il n'y a plus de problème. Hein. Je me sens exploité. Allez au boulot, Jante. On compte sur toi pour ce défi. Moi, je te balance et après, je te regarde jouer. En gène 1, c'est ça. De mémoire, c'est la moitié de mon argent. D'accord, ouais. Donc, on va éviter de se faire mettre KO.
J'achèterai les potions avant de combattre le rival, avant de combattre Truc. Maintenant, je l'appelle plus du tout, il est dans sa Pokéball depuis des années. Oh là là, c'est pas très gentil. J'espère qu'ils ont tout le confort dans les balles. Ouais, normalement avec le truc qui booste, ça devrait aller. Ratatatata. Voilà, faites des attaques qui m'enlèvent pas de vie, c'est très bien. Objectif, le niveau 8. Alors, toi, tu vas te calmer tout de suite. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, un petit coup critique, histoire de t'apprendre c'est qui le patron ici. Jean de coop monte au niveau 8. Trop cool. Cage éclair. Cage éclair, d'ailleurs, je crois que ça paralyse les ennemis. Si je dis pas de conneries. Ça prend des attaques dans pas longtemps. Ah! C'est cool ça. Alors, est-ce que j'achète des potions maintenant? Je vais en acheter maintenant. On va en prendre. On va en prendre 5 pour le moment. Hop. On va les soigner et on va les taper truc. On va se venger pour tout à l'heure. N'empêche, c'est un peu dégueulasse quoi. Toutes les 10 minutes, tu repasses ici. Et bonjour, vous pouvez soigner mon Pokémon? Je viens de le faire se faire tabasser par d'autres Pokémon. Oui, bien sûr. 10 minutes après, bonjour, vous pouvez soigner mon Pokémon? Et après, ils te disent d'en prendre soin. Ah, dans longtemps! Ah, j'avais compris, dans pas longtemps. Mince, j'ai mal lu. Alors, attention. Oui, ça passe. Hey, Tifa! Tu vas à la Ligue Pokémon? Laisse tomber, t'es bien trop naze. En plus, il te faut des badges. Les gardes ne laisseront pas passer un minable comme toi. Enfin, si tu veux, je suis prêt à te battre. Comme la dernière fois. Bonjour Kemen. Ah ouais, mais lui il en a deux. Ah ouais, non, mais c'est de la triche. Truc fait appel à Piafabec. Mais il est niveau 9! Mais c'est de la merde. Je vais tellement me faire défoncer. Jean de coop, lance éclair. Allez, Jean de coop. C'est très efficace. Voilà, fait rugissement. Mais il ra voilà. Exactement ce que je voulais. Parfait. Allez, hop, salut! Au revoir, c'est très efficace! Jean de coop, gagne 111 points d'expérience. Truc fait appel à Evoli. Eh bonjour! Alors, Evoli, on va faire ça. Evoli est paralysé, il peut ne pas attaquer. Jet de sable, ok. Je perds de la précision, je perds de la précision.
Putain, il tape fort ce connard. Allez. Vas-y, t'es paralysé là, arrête ça. Et voilà, mon attaque a échoué. Jean de coop, qu'as-tu fait? Mimiqueux, c'est pas cool ça. Allez. Ah, il est paralysé, c'est le moment d'attaquer. Et de rater son attaque. Non! Il fait tellement mal. Il fait tellement mal. Ok, il a raté son coup. Non! Mais c'est pas possible. On va continuer d'attaquer. Si on arrive à toucher. Mais arrête ça! JPP, stop! Allez, touche! Oui, il est paralysé, touche! Oui! Allez! Oh, le coup critique! Non, s'il te plaît, achève-le! Oh là là! Allez! Jean de coop! Non, Jean de coop! Allez, Jean de coop! C'est bon, tant qu'il attaque pas, c'est bon! Jean de coop! Attaque éclair! Non! S'il te plaît! Aïe, aïe, aïe! Oh là là! Potion! Potion! JPP du sable, moi aussi! Voilà, rate tes coups! Non, pas de potion, on a... Tape! Vas-y, touche! Ah, agent de coop, qu'est-ce que tu fais? Il est paralysé, mais c'est le moment! Non! C'est bon, Mimique. Ah, mais il va taper plus fort du coup. Vas-y, tue-le maintenant. Oui, GG, Jean de coop. Ah, mais c'est magnifique. Bravo, Jean de coop. T'es le meilleur. Grâce à toi, on monte niveau 9. Et ouais, on a défoncé le truc, c'était gratuit. Même pas peur. Ah ah, t'as eu une chance de ouf, minable. Eh ben écoute, des os pas des os, hein, t'es un peu deg. Il paraît qu'il y a des dresseurs balèzes dans la ligue Pokémon. Hein. Je dois trouver un moyen de les défoncer. Tu devrais t'y mettre aussi, minable. Ah là, c'est le rage kit. Allez, salut. C'est pas le vrai Jean de coop. Mais si, je suis sûr que c'est le vrai. Y a pas un truc caché là-dedans? Je sais plus. Non, y'a rien. Bon ben voilà, ben bravo Jean de coop. On peut continuer l'aventure ensemble. J'accepte de te garder avec moi. Tu as quand même battu deux Pokémon à toi tout seul. C'est quand même pas rien. Ouais c'est ça, mais... En vrai, ce serait pas une IA, il spammerait l'attaque tout le temps. Plutôt que de faire d'autres choses. Après, le jet de sable, c'était pas une connerie. Hein. Mais les Mimiqueux et compagnie, il était pas obligé de les faire. C'est là où j'ai eu de la chance. Les deux Pokémon plus haut level. Ah non, le Evoli, il était au même niveau, mais... On peut dire qu'il était plus haut niveau. 169. 169, c'est un peu beaucoup. On va continuer. C'est ça, au bout de 3G, ça sert à rien de continuer. Vu que j'avais du mal à le toucher. Il pouvait complètement m'achever rapidement. Alors on va racheter des potions. Allez, on achète 3. Parce que je sais pas s'il y a d'autres trucs à acheter dans notre ville. Donc on va essayer de pas gaspiller tout son argent. On va se soigner et on va aller à la prochaine ville. Mais bon, ça va, le Piafabec, on a eu de la chance qu'il comptait pas vraiment. En deux coups, il s'était plié, et puis lui, il a raté son attaque en plus, donc c'était parfait. Puis heureusement, parce que rugissement, c'était pour nous enlever des dégâts, donc on aurait galéré à battre l'autre. Allez, c'est parti!
Prochaine ville, go! Alors, y a quoi ici? Ah, un roux cool. On va en faire qu'une seule bouchée. Surtout s'il est niveau 3. Allez, gens de coop, massacre-le! Un petit one-shot. Ah, c'est gratuit. C'est très efficace. C'est par là, la prochaine ville? Je me rappelle pas. Vas-tu dans la forêt de Jade, mon poussin? Fais bien attention. C'est un vrai labyrinthe. Ah, j'ai peur. Ah oui, non, y a cette zone avant. Et oui, il y a plein de mecs à tabasser. C'est vrai. Ok, ben on va faire tous les combats, ça va nous faire XP. Salut, t'as un Pikachu? Ben... Il est derrière moi, ça se voit. Fillette veut se battre. Et c'est Shinodia. Fillette fait appel à Nidoran. Rugissement, ça n'a pas d'incidence sur l'attaque éclair. Ah bon, je pensais que ça touchait tous les attaques. Ah si, on peut changer la vitesse de dialogue, ouais, ça m'intéresse. KTH 8-2. Et ouais, c'est pas 8-2. Ah, Shinodia est déjà bourré. Fillette fait appel à Nidoran Mâle. Les physiques, elle est spéciale. Ah, et rugissement, ça marche que pour les physiques. Bravo, gens de coop, tu es maintenant niveau 10. Ah, ça gagne des niveaux, c'est parfait. Non, vraiment? Ah ouais, je t'assure que c'est un Pikachu. Hein. Ah, vitesse texte, rapide, animation combat. Style combat. Je sais pas. Oh, on peut imprimer, trop bien. On va pas le faire. Hein. Je suis ici avec des amis, ils sont ici pour se battre. C'est pas très sympa. Je suis à court de Pokéball, je ne peux plus attraper de Pokémon. Il t'en faut toujours un max. Pour gagner du temps. Eh hey, mais tu as des Pokémon, attaque! Ah mais c'est pas du speedrun, Jante, voyons. Scoot veut se battre. Scoot fait appel à Chenipan. Les insectes, ils sont pas... Non, ils sont faibles au feu. Je crois que c'est au feu qu'ils sont faibles. Si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. Bon, je le défonce quand même en deux coups, mais... Chenipan! Putain, il a que ça. Il a que des Chenipans. C'est pour voir si on est capable de tenir contre deux adversaires en même temps. Non, Chenipan n'y arrivera pas. Allez, bois un coup, Jean de coop, tu l'as mérité. Les insectes, ils sont nés sur la génération. Je me rappelle pas. Un dresseur de Pokémon, un vrai, ne se débine jamais. Le bot de Discord t'a menti. Quoi? Salut Caramel. Mais pourquoi? Ah, Crisacier! Le Pokémon le plus dangereux du jeu. Enfin, le plus dangereux après. Comment il s'appelle ce con? Après Magikarp? Bon, ça va. Petit coup critique. Ah, au moins, ça fait de l'expérience gratos, hein. C'est plutôt cool. Hein. Il affiche une image de FF7 et en fait, tu joues à Pokémon Gen.
Ouah. Mais l'image de FF7, ça doit être la bannière, je suppose. Je sous-estime Coconfort, exactement. Pokémon, c'est un peu comme FF7, hein. C'est un RPG. Hein. C'est exactement la même chose. Hein. Ah, Chrysacier lance armure. Il devient invulnérable. Et en plus, je rate mes coups, donc ça lui permet de se protéger encore plus. Super. Bon, bah, deux armures, hein. Ça suffit pas. Ah, le niveau 11. Jean de Coop essaie d'apprendre vive attaque. Mais Jean de Coop ne peut plus rien apprendre. Oublier une attaque pour apprendre vive attaque? Oui. Oublier quelle attaque? Alors. Donc éclair, je garde. Cage éclair, je pense que je vais garder, ça peut permettre de d'empêcher l'adversaire d'attaquer. J'ai le choix entre rugissement et mini-queue, donc soit j'enlève de la force, soit j'enlève de la défense. Qu'est-ce qui serait le mieux? Je pense qu'il vaut mieux que j'enlève Mimikyu et que je garde Rugissement. Je vais faire ça. Un 2 et pouette. Jean de Coop oublie Mimikyu. Et Jean de Coop apprend vive attaque. Ah, j'ai vaincu Scout. Oups! N'en a plus des Pokémon, moi. Au contraire. Bah, je sais pas, moi je pense que c'était mieux d'enlever la force aux autres plutôt que la défense. Parce que comme ça, je prends moins de dégâts, j'utilise peut-être moins de potions entre deux grosses attaques. Ah, une potion. C'est quoi cette macro qui marche pas? Et salut Haru, comment ça va? Les nuages, c'est crude. Ah ben voilà, c'est comme FF7. Un chenipan sauvage apparaît. Oui, il faut pas oublier le but du défi. Hein. Mais c'est justement pour le défi que je pense comme ça. Enfin, j'essaye. Vive attaque, alors ça tape fort ou pas? Je sais plus. Ça fait quoi, vive attaque? Coup critique! Ah, mais je crois que vive attaque, ça fait des gros dégâts pour justement les Pokémon de type pierre. Je sais plus. Ou alors peut-être que je dis de la merde. Ils ont tellement de défense dans la première arène que je suis pas sûr que Mimikyu suffise à donner quelque chose. Je suis terrible, tu ne peux me battre. Ah, c'est une attaque prioritaire, d'accord. Et salut d'être fraude. Chenipan. C'est la même puissance que l'éclair. Ok. C'était une vitesse de chute. Bon, ça va alors, du coup. Si tu mets pas de délai entre les caractères, comment ça va? J'ai peur. Haru est bourré. Utilise la foudre dans l'arène. Mais oui, promis, je ferai ça. Je le ferai une fois et après je vais pleurer. Le coup critique. C'est vraiment trop injuste. Ah là là. Comment il s'appelle ce canard déjà? Le canard qui dit c'est vraiment trop injuste. Calimero, voilà, c'est ça. Merci Caramelman. On a retrouvé Calimero. Tu as sorti le village et l'arène. Ah bah ouais, mais bon, les rochers, ils sont protégés du feu, donc ça marche pas trop. Ou alors je fais pleuvoir sur la ville.
Comme ça, il pleut et l'eau les rend vulnérables. Le macro. Mais tu parles de délai ou tu parles d'espace? Je comprends pas en quoi mettre du temps à écrire ça. Peut-être que tu fais ça avec un bot ou je sais pas. Ou t'appuies sur une touche, ça écrit automatiquement. Non, de délai. D'accord, donc tu dois appuyer sur un bouton, je suppose. Sécrétion. Bah. Ah là, je perds de la vitesse, mais je m'en fous, j'ai vive attaque. C'est quand même trop bien. Hop hop, minute, on n'est pas pressé. Ah ben on n'est pas des citrons. Scout veut se battre. Scout fait appel à Chenipan, mais il n'y a que des Chenipans ici. C'est incroyable. Allez, un petit éclair pour le réchauffer. Une vive attaque pour lui mettre un coup de pied dans la face. Ouais, j'ai vraiment l'impression que le éclair tape plus fort. Hein. T'as une touche macro et quand t'appuies, ça écrit. D'accord. Oh là là, j'abandonne, t'es trop fort. Mais en même temps, t'as un chenipan. C'est le coup de foudre, exactement. Tu dois me parler de The Evil Within, Dead Fraud. Ah oui! T'as raté quelque chose, Dead Fraud. Hier, Haru disait que quelqu'un lui avait offert The Evil Within à faire en stream. Et moi, je lui ai dit. Il demandait si le jeu était bien ou s'il faisait peur et tout. Et donc, moi, j'ai dit, bah, parle-en à Dead Fraud. Lui, il s'y connaît bien depuis le temps qu'il veut me faire y jouer. Voilà, c'était l'anecdote. Les deux ont la même puissance, c'est juste que ta merde électrique sur patte a plus de spécial que de force. Oh ah voilà, ça parle mal de ma de mon de gens de coop. JPP de Shinodia, attention. Alors, on va soigner gens de coop. Bonjour, j'ai tué tout le monde. Est-ce que vous pouvez me soigner? Ah oui, bien sûr! Il y a pas de différence spéciale physique en première génération. Je ne sais pas, moi, je ne m'y connais pas assez. C'est vous les experts, hein? Attention! Alors, le shop, il est là. Alors, salut, je peux t'aider? Alors. Réveil, non. Antipara, anti-brûle. Bon, en fait, j'ai rien pour me booster. On va acheter que des potions, du coup. Nion. 1200, parce que j'ai pas assez, sinon. Paf. Est-ce qu'il me donne des objets, eux? Un vieil homme m'a vendu cet étrange poisson de Pokémon. Il est super nul et il m'a coûté 500 Pokédollars. Si tu lèves bien tes Pokémon, même les plus faibles, il se passera rien que des bonnes choses. Trop cool. Allez, on va aller dans l'arène. De toute façon, on n'a plus d'argent, donc on peut tester, voir ce que ça donne. Alors, c'est où l'arène déjà? Je sais plus. On est bien dans la bonne ville d'ailleurs. Musée des sciences d'Argenta, ouais, c'est ça. Argenta, c'est la bonne ville. Alors comment on y va déjà? Je crois que c'est en haut à droite là, c'est en haut là. Comment on va à l'arène? Je sais plus. C'est pas là-bas? Je ne sais plus. Ça m'étonnerait que ce soit là-dedans. Nidoran, assis! Notre Pokémon est un échangé, il est difficile à maîtriser. Un échangé avec un Pokémon échangé avec un autre joueur.
Je crois que j'ai mal lu la phrase. Si seulement nous avions des badges. Ah bah il faut prendre des patchs. Si t'as pas de badge, tu prends un patch et ça va mieux. Hop. Ah là là, Haru, il lui tarde de faire Evil Within. Un Pokémon apprend des attaques en gagnant des niveaux. Mais certaines attaques ne sont enseignées que par les dresseurs. Les Pokémon sont plus faciles à capturer une fois endormis ou blessés. Mais attraper un Pokémon, c'est jamais du tout cuit. Tu te chies dessus ou tu te fais chier dessus? Je pense qu'il s'ennuie dessus. C'est ça qu'il a voulu dire. Il y a de très bons dresseurs par ici. Ils sont scouts pour la plupart, mais Pierre de l'arène d'Argenta est terrible. Oh. Alors apparemment il me faut le coupe. Ah ben non, elle est là l'arène, je suis trop con. Je suis vraiment débile. Allez, on va tester l'arène. On va sauvegarder maintenant. Tifa sauvegarde la partie. Trop cool. Alors... Salut graine de champion. Je ne suis pas dresseur, mais mes conseils sont avisés. Laisse-moi te mener à la victoire. Allez, en voiture Simone. Non mais ces expressions... Ça va être dur pour ton petit Pikachu ici. L'électricité est sans effet sur les Pokémon du sol. Voilà. Merci Simone, on peut y aller. Champion Pierre, vainqueur, truc. Ah, truc, il a gagné. Bagarre. Humide, gamin, tu es encore loin de Pierre, tu vas devoir m'affronter. Les Pokémon du sol, exactement. C'est les topiqueurs, les Pokémon du sol. Ah bah, en parlant du loup. Donc on a dit, alors je vais faire mon test comme j'ai dit tout à l'heure, éclair ça fait 0 dégâts. Pas d'effet sur Topiqueur, voilà, on est d'accord. C'était la vérification. Donc on va taper à vive attaque. Voilà. Il m'aide pas beaucoup le mec en fait. Bah ouais, si, il m'a dit que c'était pas facile. Voilà. Et Sablette, ça fait pareil? C'est un type sol? Ouais, c'est un type sol. On va se soigner. Et on va refaire des vives attaques. Par contre, ça va être la... Ça va être la fête des potions, hein, je pense. Et du coup, la question que je me pose... Et je suppose que ça marchera pas. Mais du coup, cage éclair, ça marchera pas non plus, vu que c'est de type éclair. Normalement, vu que c'est éclair... Je suppose qu'ils sont invulnérables à cette attaque. Non plus à une attaque de type éclair, d'accord. Ok, ouais, donc j'ai deux attaques inutiles contre les ennemis ici. Ah, c'est con parce que j'avais gardé cage éclair justement en me disant que ça servirait pour ici. Bah tant pis. Hein. Ah, Jean de Coop monte au niveau 13, bravo à lui. Zut, j'aurais dû te laisser passer. Ah bah je te l'ai dit en même temps. Je te l'ai dit et tu m'as pas écouté. Ah là là, Pierre. C'est Jean-Pierre Foucault. Allez, on va soigner. J'ai combien de thunes? Est-ce que je peux voir mon argent? 260. 260, il faut 300 pour une potion. Et une strat acharnement. Si c'est celle que je pense, je la connais déjà. Ouais. Je la connais déjà.
Et salut Bob! Normalement, vu qu'il y a des points de. Il y a des PP pour lancer les attaques. Si au bout d'un moment on n'a plus de PP, bah, on se met à taper. Ah d'ailleurs, ce serait peut-être une bonne idée de les claquer ailleurs. Je sais pas. On va tester un combat comme ça. On va tester une fois, juste pour voir le niveau qu'il a. Et on regardera après. Je suis Pierre, je suis le champion d'Argenta. Je crois en la grande résistance de la pierre. C'est pourquoi mes Pokémon sont des élémentaires de pierre. Tu veux toujours te battre avec moi? Très bien, en garde! Allez, on va se faire défoncer, normalement. Mais c'est juste pour tester le niveau de ces Pokémon. Donc Cracaillon premier, normalement, et après ce sera Onix. Donc il est niveau 10. Donc si je fais Vive Attaque. Je lui enlève quoi bien avec Vive Attaque? Ok, c'est pas très efficace. Et lui il me fait charge. Ok. Donc si je fais Rugissement, si je lui enlève. On va lui enlever 2-3 de force pour voir. 2-3 de force juste pour voir à combien il tape. Ok, 21-17, il tape encore à 4. Et de 17. Hmm. 17 à 14, 3. Peut-être que si je l'enlève encore, il descend encore. 14, il tomberait à 12 du coup là. Non, 11 toujours, si je retente une fois. Ouais, non, il tape à 3, d'accord. Ce sera toujours 3. Allez, on va taper maintenant. Coup critique. Non, là, il vient de taper à 2 de dégâts. Ah oui, non, il tape à 2, non, j'ai mal compté. Alors, potion. Je sais pas compter, excusez-moi. Donc ça veut dire que si je refais rugissement encore une fois, il passerait à 1 de dégâts du coup. C'est bien ça? On va tester. Si je fais rugissement, il passera à 1. Donc là, il va me mettre à 18. Non, il me met à 17. Putain, je comprends rien. Hein. Bon, c'est pas grave. On va taper. Toute façon, j'ai l'avantage là. J'ai clairement l'avantage. Coup critique. Et alors, avant de l'achever, on va se soigner. Donc genre maintenant. Les coups critiques ne prennent pas en compte les changements de statut. D'accord, je savais pas. Pipi dans la face, c'est une attaque où? Oh! Mince, j'aurais dû faire ça. Ça dépend des versions. Voilà. Je suis perdu du coup. Ok. Et donc Onix, il est niveau combien? Niveau 12. D'accord, donc on va commencer par les rugissements. Donc 25. Il me fait quoi bien? Il m'enlève 4 points de vie. On recommence. 21. Patience, ça fait quoi patience? Ça fait quoi patience? Je me rappelle pas. J'enlève un maximum de dégâts. Envoie la sauce. L'attaque de Onix ennemi a échoué. D'accord. Eh bien, on va taper alors. On va taper. Ah oui, ça tape pas très fort, effectivement. Ennemi lance patience.
Ah oui, ça tape vraiment pas fort du tout. Ok, il a perdu des tours pour taper à 2 de dégâts. Il encaisse les dégâts que tu lui fais, et quand il finit par attaquer, il t'envoie le double de ce que tu lui fais. D'accord. Étreinte. Ah, c'est pas cool ça, je pense. Non? Ça fait qu'1 point de dégâts. Ah mais non, il attaque 2 fois, d'accord. Ah. Oh, ça va le faire, je pense. J'ai les potions, lui la patience. Tu vas regretter, Mimikeu. C'est possible. Rien ne se passe. Ok, donc j'ai dû lui enlever tout ce qu'il fallait. Donc ça, on a dit que ça marchait pas. Quand il fait patience, autant utiliser des attaques qui servent à rien. Ouais, en plus, lui, il rate ses coups aussi. J'ai pas assez de PP, mais c'est pas grave. Ça va être un combat sur la longueur. Hein. À la fin, quand j'ai plus de PP... Faut également penser au PP. Ouais, mais... À la fin, quand j'ai plus de PP... Je fais... J'ai une nouvelle attaque. Normalement. J'ai une nouvelle attaque. Qui puise dans mes points de vie. Mais vu que j'ai des potions, c'est pas gênant, je pense. Là, justement, je fais exprès d'utiliser... les autres sorts. Pendant qu'il... Il a plus de PP. JPP! Et ça lui prospère! Et oui, JPP. Oui, quand t'as plus de PP sur toutes les attaques. Mais c'est pour ça que j'utilise les autres pendant qu'il fait patience. Comme ça, ça évite que je gaspille l'autre attaque. De toute façon, c'est pas un speedrun. Ouah, c'est pas dur. Hein. En fait, c'est juste de la patience. Hein. Sauf que moi j'ai pas le sort. C'est ça qui est magnifique. Quelle grosse marade. Ouais, lui il me fait pas de gros dégâts en plus. Comment je comprends rien à ce qui se passe? Alors. Ah non! Ah non! Ah non, ça par contre je suis pas d'accord. ça je suis pas d'accord. Oh là là! Il me faut une CT, ben non, il n'y a pas besoin de CT. T'es pas obligé d'avoir une CT, tu peux très bien le jouer à... Tu peux très bien le jouer sur la longueur. Ouais, bon, par contre, avec son grincement, je pense que je vais perdre. Je pouvais gagner, et il utilise grince-vent. Juste à cause de grince-vent, je pense que je vais perdre. Ah, le retour de patience. Grincevent, c'est le runner de Castlevania. Ok, bon, c'est vrai qu'il rate ses attaques. Ouais, continue tes grincevents, tu me fous dans la merde, mais bon. Si je fuis, je ne perds pas. Mais je crois que je ne peux pas fuir un combat... Je suis quasiment sûr que je ne peux pas fuir. Par contre, étreinte, ça fait mal. Hein. Ouais, ça fait... Ouais, ça fait mal un peu, quand même. Ouais, je perds de la défense. Et ça, ça peut vraiment faire mal. Hein. Surtout s'il me fait des étreintes. Les étreintes... ça rigole pas. Mais arrête! Stop! Hop! Ok, un petit patience. Ah, il envoie la sauce bolognaise et il se rate. Hop, donc là on n'a plus d'attaque. Et maintenant il faut gaspiller tous ces PP. Tous ces JPP. Donc il y en a 19, 27 et 17. Donc on va spammer. Jusqu'à ce qu'on ait plus rien.
Et on va prier pour qu'il nous tue pas avant. C'est l'objectif. Faut pas qu'il nous tue. Il y en a tellement. Les ennemis ont des PP infinis. Je suis pas sûr. En plus, il rate ses attaques, quoi. C'est vraiment le moment de... Rien ne se passe, donc je dois avoir la défense la plus basse possible. Mais il a l'air de plus pouvoir attaquer non plus. Donc je suppose qu'il a plus de... Il a plus de PP non plus. Voilà, donc j'ai plus ça. Maintenant on va faire du rugissement. Trop d'action dans ce combat. Ah bah attends. C'est le pouvoir de Jean de Coop qui fait ça. L'IA est aux fraises. Ah. T'aimes pas les fraises? Voilà, continue avec patience. Patience, c'est la meilleure attaque, parce qu'il a de grandes chances de me rater, et en plus, il attaque pas pendant plusieurs tours. Là, c'est juste du spamming. Et la seule attaque dangereuse, en fait, c'est étreinte. Parce que vu qu'il attaque plusieurs fois... Ah putain, il attaque trois fois d'affilée. C'est aussi épique qu'un combat Magikarp contre Krisasi. Alors 33 et 27, il m'a enlevé 6 points de vie avec charge. Là il m'en enlève 3, mais vu qu'il attaque plusieurs fois, c'est comme s'il en faisait 6 ou 9. Donc là c'est 9, évidemment. Ah, et 12. Non, stop. On arrête ça tout de suite. 15. On a dit stop. Il me reste 4 potions. Patience, ça marche pas parce que je l'attaque pas. Ah. Voilà, continue patience. Parfait. Étreinte. Mais non, pas étreinte. C'est la pire attaque pour moi. 2. Ok, il en a fait 2 cette fois. Si tout se passe bien, il va te choquer. Mais non, arrête! Alors attention, 3. 2. Donc là, j'ai plus les 3 premières, il me reste encore 19 coups à faire. Mais que fait l'IA? Bah, il se concentre. Il sait pas trop quoi faire non plus, il est perdu. Ah, charge. Il m'enlève 6 points de vie, ok. Je préfère qu'il fasse des charges que des étreintes. Clairement. Moi, je pense que ça passe tranquille. Sauf si après je tape à 1 et que je me fais 10 points de dégâts par coup. Ok. Oh, c'était un coup critique. C'était peut-être une connerie d'attaquer là. Ok. Objet. Potion. Et là, Pierre utilise une potion et c'est le drame. Ah, ça pourrait. Heureusement qu'ils ont pas de potion, ouais. 3. Quatre. Cinq. Il a tapé 5 fois d'affilée, quoi. C'est dégueulasse. C'est quand même extrêmement dégueulasse comme attaque. Allez, il m'en reste 8. Ah, patience, parfait.
Allez, encore 4 coups. Et on va pouvoir passer aux choses sérieuses. Ah, parfait, la patience. Très bien. Très très bien. 3. 2. 1. Voilà, donc prochain coup qu'on tape. On s'inflige des dégâts. Jean de coop n'a plus d'attaque. Jean de coop lance lutte. Ah, c'est un coup critique. Alors je m'enlève combien? 24. J'enlève 1 point de vie. C'est bon. C'est gratuit. C'est gagné. C'est gagné. Putain, j'enlève 1 point de vie aussi. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe si je fais lutte? Parce que là, il me touche, là. Du coup. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de... Vas-y, on retente une attaque. Est-ce qu'il envoie la sauce? Oui, il envoie la sauce! Dernière potion. Bon, bah maintenant c'est... Eh oh! Calme-toi! J'ai plus d'attaque, alors calme-toi. Le coup critique. Patience. Est-ce que je le finis là? Oui, je le finis, allez, on l'achève. C'est le moment de l'achever. Allez! Vas-y! Allez, Jean de coop, encore un coup! Allez, Jean de coop! Non, pas la sauce! Oui! Oui! GG, Jean de coop! Jean de coop monte au niveau 14. Tifa a vaincu Pierre. Ah, beau combat! En reconnaissance de ta victoire, voici le badge roche. Tifa reçoit le badge roche. Et puis voilà! C'est un badge officiel de la Ligue Pokémon. Les Pokémon de son détenteur deviennent plus puissants. La technique Flash peut être utilisée. Tifa gagne 1188 Pokédollars. Il y a plusieurs types de dresseurs dans le monde. Il y a les perdants et les gagnants. Allez, salut, c'est fini! Ah! Oui, je m'en fous, j'ai fini! Oui! Ah, j'ai appris patience, trop bien! Mais du coup, j'en veux plus. Merci, Jean de coop. Regarde, on va se mettre côte à côte, comme ça. Hop. Non, je peux pas. Alors, est-ce que t'es heureux? Ah, il est content, Jean de coop. Il est très content. Et merci, tout le monde. Nice, Jean de nice. C'était un combat plus de 120 tours. Ah bah oui, il fallait bien ça. Donc voilà, le jeu est fini en une... Enfin, le jeu est fini. Le défi est terminé en 1h11, 24 secondes. Et salut, Héropeu. Tu arrives à la fin du défi de Pokémon Jaune. Qui était de finir la première arène uniquement avec Pikachu. Voilà, voilà. Eh bien, c'était rigolo. C'était un combat de patience. Voilà.